Welcome to Russia, my friend. Today, the airport. Bon, bonjour, c'est KMLF. Je suis à l'aéroport, donc on va essayer de trouver un putain d'hélicoptère pour aller sur cette foutue plateforme pétrolière. Ça fait beaucoup d'insultes en une phrase. Donc j'ai traversé la map. Avant, nous étions à Far Harbor. Far Harbor, oui, c'est dans Fallout 4, 5 milliards. Donc nous étions à Kvigrad Harbor. J'ai traversé toute la map avec mon petit camion et nous voici à l'aéroport. Donc on va fouiller l'aéroport. Je vais directement aller du côté de la piste d'atterrissage, hein, puisque ce qu'on veut, c'est un hélicoptère. Et voilà. En fait, j'irai peut-être carrément dans l'aéroport voir s'il n'y a pas de la bouffe. Parce que... Ouais, non, limite, je crois que j'ai du steak de vache dans mon camion. Je ferai cuire ça après. Allez, hop. Butons les flics qui gardent l'entrée. Oh, cool, des cartouches de pompe. Et un chargeur de pompe, c'est tout à fait intéressant. Bon, maintenant, on prie le... Oh, un avion. Je tenterai le coup en avion. Il faudrait que j'arrive à atterrir sur la plateforme sans me cracher. On retient l'idée de l'avion. Il est là, en tout cas. Faudra juste faire le plein, je pense. Mais si jamais j'ai pas d'hélico, j'ai un avion. C'est déjà ça. Et de toute façon, je m'en fous d'écraser cet avion. À part si je crève, évidemment. Je sais pas où est l'héliport de l'aéroport. Bon, bah j'ai pas l'impression qu'il y a un hélicoptère qui traîne dans le coin. Fais chier. Meurs. Ah, j'ai tué un steward. C'est comme une hôtesse de l'air, mais avec une paire de couilles. Par contre, je retiens, à l'aéroport, il y a énormément de réserves d'essence. C'est pas mal. Bon, là, je viens d'aggro tous les zombies qui étaient dans l'aéroport. T'es le meilleur KMLF. Je suis un vilain contrebandier de drogue. Je tue les douaniers. Par contre, je vais tuer tous les gens là aussi. Hein. Boum, 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 boum. Oh, putain, rusher dans mon dos. Boum. Putain, il y en a combien dans cet aéroport, à la con? Un gilet pare-balles de flic. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir pour de la bouffe et puis on va décoller un avion. Hein. Oh, munitions de fusil à pompe. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Tac, tac. Chargeur de pistolet, j'en ai déjà bien assez. Pas de bouffe dans le truc de contrebande, logique. On va aller fouiller chaque armoire et puis on décolle l'avion. Hein. Par contre, le truc c'est que... Oh, nickel, encore un chargeur de pompe. Ok, 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 ok. Donc... Je vais aller chercher un bidon d'essence, faire le plein de l'avion et c'est parti. Mais je vais peut-être attendre qu'il fasse jour en fait, pour pas me planter comme un gros couillon. De toute façon, le temps de faire le plein de l'avion, le jour va peut-être tomber. Bon. Le souci, ça va être de laisser mon camion à l'aéroport. Bon, c'est pas la mort. Je vais prendre un bidon. Et à tout de suite quand l'avion sera plein et qu'il fera jour. Bon, les enfants, il est temps de rigoler, hein. On va embarquer l'avion. KMLF va avoir des ailes. C'est parti. Donc, maintenant, je vais avoir besoin de mes flèches pour me diriger, donc. La caméra ne va pas trop tourner. Je vais m'aligner à la piste de décollage. Ah putain, y'a pas moyen. Bon, allez, je décolle direct. Je suis en train de faire un burn sans avion. J'ai une perte d'adhérence. N'importe quoi. Quelle connerie.
Je fais des burns en avion, c'est n'importe quoi. Ah putain. Bon allez, je vais m'aligner à la piste, réellement. Voilà la marche arrière. On s'aligne. Lol, j'ai déjà cramé 20% de carburant avec cette connerie. Allez, je me lance. Et c'est parti, on décolle. Ah, quelle idée à la con. 3 par là. C'est officiel. I believe I can fly. On va redresser un peu l'engin. Et voilà! Je vole! Vachement haut d'ailleurs, je vais un peu redresser mon cap vers le bas. Il y a un gros bug avec la lune, elle est au travers de la map, c'est dégueulasse. Vache, je suis en avion. Bon, on va rigoler, c'est quand je vais arriver autour de la plateforme, faudra que je coupe le moteur pour arriver doucement, puisque comme c'est un avion, ça va pas être pratique pour atterrir sur une putain de plateforme. Et il faut pas non plus que je me crache et que j'explose, sinon tout mon stuff finira dans le bordel. Je vous dis pas ce que c'est que d'aller chercher ses affaires en plein milieu d'une plateforme où j'aurais déjà eu du mal à atterrir. Donc là, on joue vraiment tout. Donc c'est du tout ou rien. Soit je meurs et c'est fini. Soit je réussis et on découvrira ce qu'il y a sous cette fameuse plateforme. D'ailleurs, j'ai déjà fait des tests en lâchant les gaz, voir comment l'avion plane. Oui, il ralentit à crever, il y a moyen. Bon, je vais suivre la côte. Normalement, Far Harbor est plus loin au niveau de la Lune, qui disparaît tout doucement. Donc, cette station ne doit pas être loin là devant moi. Elle apparaît pas encore, c'est quoi ce délire? Allez, apparaît! Ok, je me dirige bien dessus. Sur la map, je vais bien. Ok. J'y vais en douceur, donc je la vois pas. C'est la galère. Elle est là à droite, elle est là à droite. Ok. Parachutage! Ah, je suis dessus! Ah, putain, putain, putain! Je peux plus courir, j'ai la jambe pétée. Ouh! J'ai trouvé un endroit où je suis à l'abri. Ah, la vache! Allez, je me soigne. Normalement, si je... Ah ouais, non, ma jambe est pétée. J'ai pas d'attelle pour me réparer. Normalement. On va monter ça. Ce sont mes trucs de... Voilà, ok. Donc, je suis dans une zone où les zombies ne peuvent pas accéder. Ma jambe est plus cassée. Allez, on va essayer de grimper là-dessus. Ah, c'est galère, c'est galère. Ouais. Voilà, un zombie de moins. C'est ça, viens là, viens. Voilà, encore un zombie de moins. Encore un autre de moins. On va tous se les faire comme ça. Oh, l'avion est posé sur la plateforme. Il n'est pas tombé. Ça claque, je pourrais repartir. Bah, nous voilà. Je suis sur cette foutue plateforme pétrolière. Donc, c'est une base militaire en fait. Elle est entièrement recouverte de militaires et de tentes.
Ben, c'est parti, allons fouiller ça. Oh putain, le snipe de malade! Je viens de trouver le écho! Oh, ça claque! Ça claque, ça rase. Bon, le loot commence bien, c'est super lucratif. Ce qui sera pas marrant, c'est de partir d'ici. Ouais. Je viens de faire une action de poney. Ah, des munitions justement pour le sniper. Ouh, j'entends un zombie géant grogner. C'est pas bon ça. Ration militaire, nickel. Faut que je trouve un endroit où je serai à l'abri du zombie géant. En sachant que le zombie géant sait pas lancer des pierres. Ouais, le zombie géant est aggro. Je me casse. Vite fait. Voilà, je crois que j'ai vu la tête du zombie géant. Le voilà, il est là-bas. Si j'avais un silencieux, je pourrais l'attaquer de loin. Encore une ration militaire. Allez, on tente le coup. Oui, le zombie bug. Comme je suis dans une zone inaccessible, il ne vient pas m'emmerder. Je vais le tuer à distance comme ça. Ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Oh, par contre, il faut que je change le filtre de mon masque. YOLO! Hashtag coup de pute. J'espère juste avoir assez de balles. Ah ouais, j'ai que des fonds de chargeur. Ça va le faire, dans le pire des cas, j'ai mon fusil à pompe pour les autres zombies. Et j'ai le sniper. Je suis complètement con, j'ai le sniper, donc je peux l'attaquer au sniper après. Franchement, il faut que je teste cet engin. Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu avec le sniper, d'une balle dans la tête, 50 points d'XP. Bon, maintenant, on va s'amuser un peu. C'est qui le boss? Allons voir le loot du zombie géant. Ça, c'est le plus intéressant. Parce qu'un zombie géant dans une zone comme celle-ci. Ok, qu'est-ce qu'il a largué? Des lunettes de vision nocturne. Génial. Des tactical grip. Une lunette de sniper. Bah, on sait où elle va finir. Nickel, tout ça, nickel. Et une AK. Bah, allons-y alors. On va fouiller cette petite base. Maintenant que le zombie géant est mort, je suis libre de toute action. Ah, oh, ça claque, franchement, ça claque. Yep. Ça claque, ça rase. Alors, on a ici un petit quartier comme ça. Oui, en fait, la plateforme pétrolière avait vraiment été retransformée en base militaire, à mon avis, pour l'histoire du jeu, hein, ça. Et donc, il va y avoir du bon loot, hein. On va prendre le temps de tout fouiller. Et puis je repartirai avec l'avion qui est posé sur la plateforme d'hélicoptère. J'ai géré ma race, franchement, ça. Oh, le coup de bol. Franchement, je ne pensais pas que j'y arriverais sur ce coup-là. Je croyais vraiment que j'allais finir à la flotte et que c'était foutu. Ou que j'allais me tuer ou me faire bouffer par les zombies. Non, franchement, j'ai vraiment eu du bol. Oh, une box de mitrailleuse. Ça claque, franchement. Puis là, maintenant, j'ai un foutu sniper de malade. Fusil de sniper de malade. Oh, voilà un zombie rusher. Bouffe ça. Non, sérieux, ça claque. Vous avez vu cette foutue plateforme remplie de matériel militaire? J'ai pas le sac à dos assez gros, je crois. Oh, ce serait pas une FAMAS. Je sais pas si je pourrais la prendre, j'ai pas la place. Merde. Comment je peux gérer ça, moi? Bon, ça, c'est des munitions, on peut les trouver partout. Tac, les filtres, je les mets comme ceci. Ça devrait le faire. Normalement, je peux le ramasser. Yeah! Et une FAMAS. Une. Non, les chargeurs. Je ne vais pas privilégier les chargeurs parce que ça, je peux en trouver dans la base militaire normale.
Donc, j'ai le sniper du jeu, enfin, j'ai le meilleur sniper russe, parce que je sais que le Barrett américain est plus puissant, mais le Barrett, on ne sait pas le trouver dans la map Russie. Mais bon, j'ai le meilleur snipe et tout là, franchement. Petite famas, se fait mousser, ça claque. Bon, les containers, il n'y aura rien dedans, normalement, il n'y a jamais rien dans les containers. Ah, grip. Ouh, faut que je change mon filtre de masque à gaz. Faut que je fasse gaffe à ça, hein. Pas mourir de contamination après tout ce que j'ai fait, bordel. Oh, ça me ferait chier. Non, mais franchement, ça claque, là. Cette petite base. Bon, la Yuri, j'en ai déjà une. Ben voilà, je vais aller voir au deuxième étage de la baraque, j'ai pas encore été, je pense. Et on repartira. Et voilà, donc c'est officiel, j'ai terminé d'explorer la map Russie. Ceci est fait. Tring, trophée. Ils auraient dû mettre un trophée quand on arrive à accéder à cette plateforme à la con. C'était tellement hardcore, j'en ai chié sa race. Purée, et puis avec le zombie géant, là je me suis dit, putain, j'espère que j'ai assez de balles. J'avais peur de devoir me le faire au corps à corps, parce que si j'avais dû y aller au fusil à pompe, franchement, je vous le jure, ça aurait été la mort, parce qu'il balance des rochers, il fait saigner. Les zombies géants au corps à corps, à moins d'avoir une mitrailleuse batteuse, c'était la mort. En tout cas, voilà, c'est fini. Donc je vais prendre l'avion et tenter de redécoller du haut de la plateforme, sinon bah, je finirai à la flotte et je vais nager. Et ce que je vais carrément faire, c'est que je vais prendre de l'élan. En douceur, c'est parti. Allez, on croise les doigts, on va voir si j'arrive à redécoller. Ouais. Non, j'ai touché le bord de la map. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai eu chaud là. J'ai réussi à décoller. Ah, ça claque. Oh putain, truc de malade. Je suis content d'avoir ça sur la vidéo, franchement. Oh putain. Jake m'aurait pas cru si je lui avais raconté que j'avais fait un truc pareil. Oh putain. Ouah, par contre, j'ai plus d'essence. Il me reste que 30%. Donc j'atterrirai peut-être plus tôt et j'arriverai peut-être pas à mon camion. C'est pas grave, franchement c'est pas grave, on s'en bat les couilles parce que je préfère encore marcher. En tout cas, ben voilà, donc c'était je pense, la dernière vidéo que je ferai sur Welcome to Russia, à moins d'avoir autre chose à vous proposer. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé, hein. N'hésitez pas à commenter, liker, partager tout ça comme d'habitude. Ouais, à mon avis, j'ai pas assez d'essence pour arriver jusqu'à l'aéroport. Encore merci de m'avoir suivi jusqu'au bout pour ceux qui auront suivi ben, cette série de vidéos jusque-là, hein, histoire qu'on ait découvert l'entièreté des bonus de la map. Russia. Si je trouve un autre bonus, promis, je vous le dis. Donc, je ferai une vidéo, hein. D'ailleurs, là, je vais descendre un peu histoire d'atterrir parce que sinon, ce sera un peu marrant. Alors, je vois au loin. Donc, normalement, le truc qu'on voit plus haut sur l'écran au milieu, c'est l'accès aux pompiers. Donc, plus loin à gauche, c'est l'aéroport. Donc, je vais atterrir à côté de mon camion et ce sera fini. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez arrêter la vidéo, vous pouvez arrêter, hein, ou vous allez me regarder atterrir, hein. Ça se trouve, je meurs à la fin, hein. Si je suis un boulet, je vais peut-être me cracher alors que j'ai réussi un truc de malade sur la plateforme. Franchement, j'y ai pas cru, là. Je me suis chié dessus en live. Ah, bordel. 8%. Non, mais sérieux, je vais avoir pile poil assez d'essence pour arriver à l'aéroport. Non, mais c'est pile poil, j'ai géré sa race. Bon, par contre, je dis pas que je ferai ça tous les jours, hein. L'histoire d'atterrir avec l'avion, là, je vais réellement essayer de voir si je trouve pas un hélico. Et j'ai pas assez d'essence pour arriver jusqu'à. Oh, je vais me servir de l'autoroute. Je vais me servir de l'autoroute. Ah là, on atterrit en douceur. En douceur, en douceur. Ah. Ben voilà, c'est fait. On a été sur la plateforme pétrolière. Bah en tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager tout ça. Et à la prochaine en Russie ou sur Hunter ou sur un autre jeu.